prince, il faut que j'y aille là, faut que j'aille chez le médecin. Mon chacha, tu sais que je t'aime trop quand t'es comme ça, mais c'est pas le bon moment là. Mon amour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlogmas numéro 22. Putain, ça y est. C'est bientôt la fin des vlogmas. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 21. Il est 10h20. J'ai rendez-vous dans 20 minutes chez le médecin. Il faut que je me grouille parce que je mets 15 minutes pour y aller. Donc, vous voyez cette tête actuellement, c'est une catastrophe. Et donc, je vais me préparer. Je vais lui montrer ma radio du thorax, des poumons, tout le bordel là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé hier soir quand je vous ai quitté. J'ai rangé un peu l'appartement. L'entrée des gens n'arrive à circuler. Le bureau, c'est toujours une catastrophe. Mais déjà on circule dans l'entrée et tout, et dans le salon j'ai rangé, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait mes deux lessives aussi, j'ai fini mon projet de groupe, vous savez le rendu, écrit, je l'ai fini. J'ai quasiment fini mon projet individuel sur les signes astrologiques, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que j'ai dû recommencer un petit peu sur R, des petits trucs et tout pour que ça soit un peu plus joli. Écoutez, voilà, j'ai fait ça hier soir jusqu'à 3h du matin et là je me suis réveillée à 9h30. Il faut vraiment que je me grouille là par contre. Donc je me prépare et je vous retrouve juste après le médecin. Bon, et bien je reviens de mon rendez-vous chez le médecin. C'était très rapide puisqu'elle n'était pas là. Elle était malade, la pauvre, elle me fait trop de peine. Du coup bah, j'ai donné ma radio au médecin et elle me dira ça au mois de janvier parce que j'ai rendez-vous avec elle au mois de janvier. Donc là, il est 11h04. Normalement, je dois faire un call avec Cindy pour faire mon big data, pour faire mon formulaire, pour que je puisse vous l'envoyer à vous. Et il me faudrait 100 réponses assez rapidement. J'espère que ça va le faire. Donc je code tout ça juste après. Donc je vais vous mettre une petite story sur Instagram aujourd'hui, je pense, pour le lien si j'arrive vraiment à finaliser ce formulaire-là. Je sais pas comment je vais le faire. J'ai besoin de Cindy parce que même elle galère là, on galère toutes les deux. J'ai pas fait le montage de la vidéo, vous êtes pas droit comme d'habitude. J'ai pas fait le montage de la vidéo. Je vais peut-être vous montrer ce que j'ai fait hier du coup pour les projets de groupe, etc. Alors ça du coup c'est pour les projets de groupe, donc la santé mentale, etc. Donc là j'ai fait un sommaire comme ça. Parce qu'en fait de base tout était basique. Hein. C'était pas avec des couleurs et tout, j'ai fait ça, j'aime trop. Genre avec une petite épingle et tout, je trouve ça trop trop beau. Donc j'ai fait ça aussi, je trouve ça magnifique. Et en fait le prof il adore le violet, du coup bah j'ai mis grave du violet. Et du coup voilà pour les variables etc, j'ai fait ça comme ça. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps hier. Et pour le modèle final ça donne ça. Voilà, donc j'ai fait ça comme ça, on a fait une conclusion. Bibliographie et bien sûr le formulaire. Donc voilà ce que ça donne. Et pour mon truc personnel du coup, avec les signes astro, j'ai fait ça hier avec le petit logo, etc. J'ai fait ça avec les variables. Variables et signes. J'ai dit un petit peu ce que j'ai fait. J'ai dit j'ai fait le choix de sélectionner 36 réponses, etc. pour avoir un équilibre parfait en fait. Là c'est les réponses en fonction des signes, l'âge, etc. Le word cloud par signe, alors ça j'étais pas obligée de le faire, mais je me suis dit vas-y c'est intéressant de le faire. Du coup j'ai donné les interprétations en dessous et j'ai refait en fait tous les word cloud des signes parce que c'était, il y en avait trop en fait. Il y avait trop de mots et tout, donc ceux-là ils sont vraiment bien parce qu'il n'y a pas de mots superposés. Ceux-là j'ai vraiment galéré, ils sont un peu superposés et tout, mais j'ai pas trop le choix, enfin j'ai pas trouvé comment faut faire. Ensuite le word cloud général, là c'est le truc avant. C'est toutes les commandes qu'il faut faire. Et là, c'est WordCloud après. Il n'y a aucun mot en double, enfin, à part idée, mais sinon, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et donc, j'ai fait après le mapping. Donc, j'ai fait ça, les commandes qu'il faut faire. Et là, c'est le mapping, du coup, avec les personnes et les mots. Donc, on peut constater. Donc, de toute façon, je voulais montrer ça. Ça fait terre, air, etc. J'ai commencé un petit peu à écrire. Et je ne sais pas si vous remarquez, et ça, c'est une abonnée qui me l'a dit en DM, on dirait un sapin de Noël. Et comme on doit rendre ça pour Noël, je me suis dit, vas-y, on va faire un sapin de Noël. Et en fait, en big data, donc c'est des prédictions, c'est la même chose que Walking Dead, mais il faut faire des prédictions et des clusters. Bon, j'arrive pas trop à visualiser ce que c'est et tout, à interpréter, parce que je vois pas trop comment... Enfin, je vois pas trop. Du coup, faut soit chercher une base de données sur Internet, soit la créer nous-mêmes. Je pense que je vais la créer moi-même, parce que j'avais commencé à faire un questionnaire, du coup, sur les signes astrologiques, etc. et la espèce de compatibilité. Mais bon,
Je vais l'appeler Cindy, on va bosser. Bon, ça y est, j'ai envoyé, mais en fait, je suis vraiment pas sûre de moi et de mes réponses. Parce que je sais pas trop comment il faut faire. Là, en fait, je vous ai posé des questions sur votre âge, ce que vous avez besoin d'une relation amoureuse, ce qui est rédhibitoire, ce qu'on préfère au lit, la fréquence de nos relations sexuelles, qu'est-ce qu'on regarde en premier chez l'autre, et quel est son signe astrologique. Je sais que c'est assez vaste, mais j'espère vraiment pouvoir faire le cluster avec le big data. J'ai beaucoup de chance, c'est que vous êtes très réactifs sur Instagram et sur les réseaux en général. Donc là, par exemple, je suis à l'ensemble de mettre, j'ai déjà 2 réponses. Il m'en faut 100, et la dernière fois, j'en ai eu 800 ou un truc comme ça. Donc j'espère vraiment que ça va être assez rapide pour avoir les 100 réponses, pour pouvoir essayer de coder tout ça et voir assez rapidement si c'est faisable ou pas. Sinon, je vais devoir faire moi-même ma base de données à partir d'autres trucs. Et donc je dois rendre ça le 24, j'aimerais bien le rendre le 23, genre avant la date indiquée. J'ai vraiment une tête de déterré, c'est une horreur. J'ai pas monté la vidéo, je pense que je vais commencer à monter la vidéo le temps d'avoir les réponses là. A few moments later. Oh, ce vlog de merde. Il est 16h35, j'ai donc monté la vidéo, j'ai aussi dormi pendant 1h30 sur mon canapé. Prince m'a réveillée, il est venu faire des câlins et tout, genre on trouve même ce chat, il est toujours là. Du coup, j'ai bien avancé sur ma base de données, donc merci beaucoup d'avoir répondu au questionnaire hein, sur Instagram. En l'espace d'une heure, j'avais 250 réponses et donc en tout là, j'en ai gardé pour 167 ou 168. Et en gros, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Prince ne marche pas sur les touches de mon clavier, je suis dans la programmation, je galère. Alors, pour vous montrer un petit peu, j'ai changé en fait toutes les réponses par besoin feu, besoin air, parce qu'en fait toutes les réponses qui étaient affiliées à ça, voilà, qu'est-ce que vous avez besoin dans une relation amoureuse, bah par exemple ça là, le dévouement etc, je sais pas si vous allez bien voir, mais dévouement etc c'est le signe d'eau, après c'est air, après c'est feu, après c'est terre. Du coup à chaque fois c'est dans ce même ordre là, donc là on peut voir que les gens ils veulent de la terre. Ensuite pour tout ce qui est rédhibitoire, bah c'est tout ce qui est air, donc la double face etc. Après c'est très subjectif hein, voilà, c'est les signes astrologiques. Ensuite qu'est-ce qu'on préfère au lit, bah c'est les signes d'eau, voilà, la sensualité, mais quand même ils sont en concurrence avec les signes de feu. Ensuite, la fréquence de vos relations sexuelles, donc là ça n'a rien à voir avec les signes, c'est juste pour savoir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on regarde en premier chez l'autre, donc le regard, ça c'est vraiment les signes d'eau, ils ont un regard charmeur extrêmement intense. Et la taille pour les signes de feu. Donc voilà, et ensuite après vous avez vos signes. Donc ça va, c'est quand même assez bien réparti, surtout signes de feu, signes d'air, c'est très bien réparti, je suis super contente. Donc voilà pour ça. Et en fait j'ai changé, parce que dans ma ligne de code c'était dévouement, entreprenant, passion, et donc ça marchait pas. Donc il a fallu que je change tout et que je mette besoin terre, rédib air, bref eau, enfin tout le bordel quoi. Donc voilà, j'ai dû tout changer. J'ai donc mis ma petite feuille de calcul dans R. Donc R c'est le logiciel. Et ensuite bah, j'ai fait tout ça quoi. Ouais, c'était un peu long. Faire des clusters, donc des clusters c'est un regroupement de personnes qui sont similaires, etc. Donc par exemple, je vous montre. Donc là par exemple, on a 3 clusters et en fait le but de ça c'est de se rapprocher au plus de 1. Donc généralement c'est toujours dans les 0,30. Donc je me suis dit, ah bah 3 clusters c'est plutôt pas mal. J'ai regardé quand même pour 4, 4 ça donne ça et ça fait 0,3 donc c'est pas ouf. Et 5 clusters ça donne ça mais c'est 0,24 donc c'est pas ouf. Bon on va le faire ensemble tiens. Donc pour le cluster, pour le numéro 2 du coup, donc voilà, ça donne ça pour le numéro 2, donc on va l'enregistrer. 2 clusters. Et en fait c'est 0,56 et c'est mon grand max que je peux avoir, donc il y aura 2 clusters dans cette programmation, donc 2 groupes différents de personnes. Donc on va voir ce qui se passe dans chaque groupe de ces personnes là. Dans le cluster numéro 1, nous avons donc 31 femmes et 1 homme. Et en fait, vous pouvez voir que la fréquence d'âge est assez, pas élevée entre guillemets, mais c'est entre 30 et 53 ans. C'est au-dessus de la trentaine, du coup. Et on peut voir que, voilà, ils ont besoin de la terre, que ce qui est rédhibitoire, c'est l'air. Donc c'est à peu près la même chose dans les deux à chaque fois. Et il y a 13 signes d'air. C'est drôle, hein, parce que c'est rédhibitoire, les signes d'air, pourtant ils sont air. Donc ça, c'est rigolo. Et dans le cluster 2, la différence avec le cluster 1, c'est l'âge. Vous pouvez voir que c'est vraiment la vingtaine. Donc les gens qui sont un peu plus jeunes, parce que là, on peut voir qu'il y a 19 personnes qui ont 23 ans, donc c'est quand même assez important, eh bien, les besoins sont toujours la terre,
tout ce qui est rédhibitoire, c'est l'air. Il y a quand même 83 personnes qui ne veulent pas de signe d'air. Ensuite, pour tout ce qui est préférence, bah, préférence au lit, c'est le poisson, comme d'habitude, voilà. Mais il y a toujours le feu aussi qui est pas loin derrière, comme pour le cluster numéro 2, vous pouvez voir, c'est pas loin derrière. La fréquence, on s'en fout un petit peu, j'avoue. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde en premier ? Eh ben, l'eau gagne encore une fois dans les deux cas. Donc vraiment, c'est quasiment unanime. Genre, sur 32 personnes, il y a 30 personnes qui ont choisi l'eau. Donc, et là aussi, c'est quand même énorme. 108 personnes sur 135, c'est quand même énorme. Et dans les signes, c'est un peu plus réparti. Donc il y a autant de signes de feu que de terre. Donc ça, c'est extrêmement rare, c'est super bien. L'air, il y en a 26, donc c'est quand même pas mal. Et il y a beaucoup de signes d'eau. Donc j'avais plus de signes d'eau dans tous les cas. J'avais, je crois, 33% de signes d'eau. Donc voilà, il y a deux clusters. Et la différence de ces deux clusters, c'est ça. Donc on peut voir qu'ils sont assez proches au niveau des préférences et tout. Mais en fait, ce qui différencie, bah, c'est l'âge. Mais on peut voir que même en fonction des âges, ben, on aime quand même les mêmes choses. Et après, eh ben, ça donne ça. Donc là, c'est les deux clusters, le cluster 1 et le cluster 2. Et donc, c'est cette partie-là du cluster, il faut que je l'analyse. Je ne sais pas trop encore à quoi ça correspond, il faut que je demande. Mais je crois que c'est les gens qui sont compatibles et qui aiment vraiment les mêmes choses et que c'est possible, tu vois. Donc, il faudrait que je demande à un pote de m'aider là-dessus. Mais sinon, voilà ce qu'il faut que je fasse. Et maintenant, il faut que je rédige tout ça. Il faut que je fasse tout ça. Il y a plein de gens qui ont fait ça en mode vraiment sérieux. Moi, j'avoue, les trucs sérieux, ça m'attire pas trop. Donc, bon, on va faire quand même les choses bien. Parce que moi, il faut savoir que l'originalité, c'est ce qui me correspond et c'est ce qui me distingue des autres. Les gens font toujours des choses vraiment assez strictes. Après, voilà, il y a des projets, des fois, où il faut rendre, c'est très strict, etc. Mais avec ce genre de prof, comme vous avez pu le voir, il est très ouvert, etc. On peut faire des projets sur Walking Dead, enfin voilà. Il est très ouvert d'esprit, je pense que c'est un signe d'eau. C'est sûr et certain, je pense que c'est un poisson, mais même ascendant poisson, pour vous dire. Donc, avec ce genre de prof, les trucs un peu trop lambda, tout ça, je pense que ça peut le saouler, surtout qu'il en aura 200 à regarder. Donc, s'il y a quelque chose qui ressemble un petit peu plus du lot, avec des images, etc., eh ben, ça peut peut-être le faire. Je pense que je vais plutôt finir mon projet en recherche, comme ça, je vais pas trop m'éparpiller. Intuitif, ouais. Intuitif et affectif, du coup, genre, je pense que affectif, ça englobe intuitif dans le modèle psychologique. C'est quoi la troisième catégorie ? Bon, voilà la fin de mon rendu en recherche, donc les signes astrologiques. Donc voilà, j'ai enfin terminé tout ce que je devais faire. Je suis trop contente. Vraiment, enfin, c'est terminé. Je n'en peux plus. Je trouve ça assez joli. L'interprétation de chaque signe. Hop, le petit bonus. Et j'ai rajouté ça. Joyeuse fête. À votre avis, je suis de quel signe astrologique ? Et là en dessous, en blanc, à l'envers, c'est marqué signe d'eau, poisson. Donc voilà, bon, c'est pas le meilleur sapin du monde, mais ça le fait, je trouve. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. J'ai aussi fini de faire le rendu de ça, parce qu'en fait, il me manquait des variables. Il me manquait ça, là, les gros trucs comme ça, là. Donc enfin, c'est terminé. On va pouvoir l'envoyer. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc, déjà, deux projets réalisé. Maintenant, il faut que je m'attaque à celui de Big Data. Je suis vraiment très, 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 très fatiguée. Vous me voyez enfin, vous voyez ma sale tête. Oh là là. Je vais donner de la pâtée à Prince parce que, comme d'habitude, il me la réclame. Je voulais vraiment commencer Big Data, là, mais je suis vraiment HS. Je pense que ça se voit sur mon visage, là, actuellement. Oui, mon cœur, je vais te donner de la pâtée. Je vous ai pas dit, mais j'ai envoyé mes factures à ma mutuelle, donc j'ai fait ça aussi. Enfin, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'ai aussi mangé, mais j'ai encore faim. Enfin, mon médoc qui me donne la nausée, du coup, j'ai envie de manger à chaque fois. Donc, je vais me faire juste de la salade. Et je vais me faire de la salade avec des fruits de la passion. Trois fruits de la passion. Enfin, je suis blanche, comment tu fous, j'aille me laver aussi. Vivement que cette période-là, elle se termine. Mais après, je me dis que... Bah pendant 2 mois il s'est rien passé, enfin je travaillais pas et là c'est seulement maintenant qu'on travaille. Cette période de rush moi j'ai vécu pendant 1 an non-stop et là c'est juste 1 mois et demi donc en soi franchement je m'en sors plutôt bien. Les chaises sont toujours sur la table, j'ai toujours pas passé la serpillière pour faire une salade périmée du coup depuis le 17. Non mais voilà. C'est moins bon quand c'est pas périmé je trouve. Enfin voilà, c'est une philosophie de vie maintenant. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Vraiment, j'arrive plus à ouvrir un sachet de salade. C'est une catastrophe. Parfait. On rajoute parce que vas-y, on est un petit peu gourmande aujourd'hui. Du chèvre. Ils étaient trop mignons, mes potes là de mon groupe.
Parce que je leur ai dit, les gars, je suis désolée. Parce que, en fait, on faisait un meeting pour voir ce qu'on avait trouvé, etc. Et moi, j'ai pas eu le temps de chercher. Je leur ai dit, les gars, je suis vraiment désolée. Vraiment, je suis une merde là. Je n'y arrive pas. Ils m'ont dit, mais t'inquiète pas, Elisa. Mon boulot, ça sera le visuel. Parce qu'on doit rendre un espèce de flyers. Du coup, bah, c'est ce que je préfère faire, moi, dans les trucs du groupe, la créativité, du coup. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, tu fais ça. Mais je dis, mais moi, j'ai besoin de... Enfin, dans tous les cas, je ferai des recherches. Enfin, je suis pas la meuf qui fait tout à la dernière minute et qui ne connaît pas son sujet. Donc, c'est pour ça. Ils m'ont dit, t'inquiète, Elisa. Franchement, c'était trop adorable parce que là, j'avoue, je suis un peu shootée par les médocs. Je pensais pas à ce point. Je suis vraiment shootée. Mais aussi, je suis très fatiguée. Et du coup, on s'est donné rendez-vous le 29 en présentiel, donc chez mon pote, la Malo. Donc un mec du groupe, pour faire tout ça en présentiel toute une journée, genre on va se donner à fond et tout. Et j'ai besoin d'une journée vraiment productive. Donc voilà, je vais manger, je vais me faire mes fruits de la passion aussi. Et je me suis fait aussi un café là, mais un café froid, parce que là vraiment je suis en train de m'endormir. Avec la dernière paille, donc ce soir je dois faire une machine. Du coup on n'a pas ouvert les calendriers de l'avant. Aujourd'hui on est le 21, c'est ça hein? 21. Alors, on s'installe au spot unboxing. Désolée, il n'y a pas le feu de cheminée. C'est un petit peu nul. On adore. Alors, Yes Style, j'ai reçu quoi? J'aime trop le packaging, par contre. Je trouve ça assez joli. On dirait un truc de barbier. Alors, c'est la teinte numéro 1. La classique, du coup. Ah ouais, stylé. Regardez comme c'est beau. Ça peut le faire pour moi. Et c'est, je pense que c'est adapté à pas mal de carnations. Ensuite, Rituals de numéro 21. La body cream de Rituals of Mer. Alors, je l'ai vue la dernière fois dans mon vlog shopping d'il y a deux jours. Ça sent super bon. De toute façon, Rituals, ça sent super bon. Je suis fan de Rituals. Ça y est, c'est officiel. Avant, j'étais un petit peu lassée de Rituals. Mais là, vraiment, je suis fan. Ils ont fait des nouvelles collections vraiment trop belles. Ensuite, pour typologie. Ah, j'ai reçu un masque au charbon et à l'ortie bio. Ah, j'ai envie de le tester ce soir, tiens. C'est vraiment petit hein, les masques hein. Genre c'est tout petit le... Ouais il est pas... Je vais voir si j'ai des masques à utiliser avant. Mais si j'en ai pas j'utiliserai celui-là ce soir. Ensuite chez Mademoiselle Bio. C'est une huile capillaire. Ah j'adore les huiles capillaires. Ça revitalise et ça favorise la croissance capillaire. Ça je suis trop fan. Il y a donc du romarin. C'est un antioxydant. Enfin bon, en fait des antioxydants, des nutriments, etc. Donc écoutez, trop hâte de tester ça. Donc voilà pour les calendriers de l'Avent d'aujourd'hui. On va aller se laver, on va aller se prendre, on va prendre un petit peu soin de soi là. J'ai vu tous vos petits messages et tout, vos petits commentaires où vous disiez voilà, prends soin de toi Elisa et tout, etc. Je pense que vous... Ah, il y avait aussi un petit pinceau, pardon, pour le bronzer. Trop cool. Je disais ouais, merci beaucoup pour vos commentaires, ça me touche énormément. Parce que voilà, là en ce moment, je trouve que mes vlogs ils sont nuls. Et ça me saoule de vous proposer du contenu nul. Après là, les deux derniers... C'était donc le shopping et le haul. Franchement, je trouve ça trop cool. J'aime trop, moi, les vidéos comme ça. Mais là, par exemple, aujourd'hui, bah, je suis vraiment désolée. J'ai pu rien faire, mais je suis vraiment que bosser. Je voulais vraiment me reposer et profiter à fond de Noël. Mais faut vraiment que je bosse la nuit, en fait, pour pouvoir produire du contenu le jour. Et là, j'étais vraiment trop fatiguée. Là. Hier, j'ai vraiment bossé jusqu'à 3-4 heures du matin. Je me suis réveillée à 9 heures. Le médecin, au final, il a annulé tout ça, mais vraiment, j'étais fatiguée de ouf. Donc là, ce soir, ce que j'aimerais faire, c'est monter la vidéo. Parce que là, je peux plus bosser sur mes projets. Là, j'ai trop mal au crâne. Je vais monter la vidéo. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps. Demain, nous serons le 22. Il me restera deux jours. Même, allez, ouais, 22-23 pour finir tout. J'ai fini projet en REM. J'ai fini les deux projets en recherche. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vous dis, ça me soulage. J'ai un poids, mais laisse tomber. Le projet en Big Data sur Walking Dead. Je me suis pas occupée de l'écrit parce que bon, la vidéo m'a pris beaucoup de temps. Donc c'est les filles qui le font. Mais j'aimerais bien voir le rendu que ça a parce que bon, vous connaissez la créativité de ma personne. Ça fait un. Donc si c'est moche et si c'est trop standard, ça va pas me plaire. Et je sais que le prof, ça va pas lui plaire non plus. Parce que vraiment, quand je vous dis, le prof, il est comme moi. Il est aussi taré que moi, vraiment. C'est le genre de prof qui fait des sujets de recherche sur le sexe, sur les cuites, les premières cuites, les positions sexuelles. Enfin vraiment, c'est un prof, il est perché, il est trop bien. Pas un truc trop lambda, etc. Quand je vois les rendus des gens là, je trouve ça hyper lambda. Il y a que moi qui ai fait un truc un peu original. Bon allez, on va dans la salle de bain et on va se préparer une petite routine. J'ai lu OK c'est horrible ou bleu. Oh mon dieu. J'ai envie de tester ça, la poudre enzymatique de chez Yes Style.
Vous vous souvenez de ce genre de masque là, là? Faut mettre de l'eau et tout à l'intérieur, j'ai trop envie de tester. Voilà, je vais tester ça, ça me paraît très créatif. If, oh là là, j'en démarre de ce hockey. On va mettre donc un petit bandeau. Ah putain, je pleure. Un petit bandeau. On est ridicule. Autant l'être à fond, moi je vous dis. Cette journée, c'est une journée t'as peur. Ok, donc c'est de la poudre, hein, basique. Je sais pas si vous allez voir. Ensuite, on met un tout petit peu d'eau. On mélange. Je crois que j'ai mis un peu trop d'eau. Putain, ça sent les... Ça sent les herbes. On dirait que je suis... Ah non, ça sent le thé. Incroyable. Et du coup, ça va gommer le visage. Alors, attendez, j'ai pas assez d'eau sur mes mains. Ça va gommer toutes les petites imperfections, les petites peaux mortes et tout, mais en douceur. Donc ça va pas agresser votre peau et tout, donc c'est super bien. Et je sens ma peau, elle est toute douce, là. Ah ouais, c'est super bien. Et dès que ça devient un tout petit peu sec, vous rajoutez de l'eau pour que ça mousse un tout petit peu. Je vous ai pas dit, mais la dernière fois, je me suis fait un petit bain avec les bombes de bain de chez Lush d'Halloween. Et c'était trop beau. Genre, mon bain, il était tout bleu. Donc voilà, donc là, j'ai tout massé. Et je sens plus les grains. Donc ça veut dire que ça s'est bien réparti. Un truc de ouf à quel point ma peau, elle est douce. Et je suis pas aussi blanche que ça sur la caméra. Je préfère le préciser. Je vous jure, j'ai un peu plus... J'ai un peu plus de couleur. Mais vraiment, ce bandeau est incroyable. C'est de la poudre, là, comme vous pouvez voir. Il faut rajouter de l'eau jusque là. Maintenant, il faut mélanger. J'ai pas de spatule. Incroyable, mais c'est pas possible que ça fasse tout un visage, ça. Ça doit faire deux visages. Ah, mais je suis con, j'avais un pinceau. Je suis bête, moi. C'est un carnage, ce vlog. Alors, la texture est hyper agréable. On dirait que je mets du yaourt sur mon visage. Vraiment, je sens plus à rien. Bah écoutez, je vais laisser sécher. Et après, je vais aller me laver les cheveux, tout le bordel, je vous reprends juste après. Bon, et bien le masque, en fait, c'est assez particulier parce que c'est un peel-off, je savais pas du tout. J'étais dans la douche en train de faire ça, là, et je vois, en fait, ça s'enlève pas, ça s'enlevait que comme ça, et j'ai galéré à l'enlever sous la douche. Mais bah, ma peau, elle est toute fine, mais elle est un peu sèche. Du coup, je vais mettre mon petit sérum de chez Aven, donc c'est celui-ci, et je vais mettre aussi le truc pour les pores, là, que j'aime beaucoup de chez Sephora, il est bientôt terminé, ça fait 3 fois que je le rachète. Hop, je mets ce petit sérum. Je voulais vous faire une petite night routine et tout, mais un night routine en ce moment, c'est une catastrophe. C'est, je me couche à 3h du matin, je fais mes projets, Donc c'est pas vraiment une night routine très très chill. Donc bon, on fait comme on peut. Hein. J'ai trop hâte que tout ça se termine, j'ai trop hâte d'être le 12 janvier. Donc voilà, je vais mettre aussi cette petite lotion. Alors ça, je l'ai testée donc hier. C'est, vous savez, c'est le petit sérum comme ça de chez Typology pour les cernes. Si le focus veut bien se faire, parce que lui aussi il est fatigué du coup. Bref, c'est à la caféine, etc. Et c'est hyper collant. C'est vraiment super collant. Je crois que j'en avais mis un petit peu trop. Du coup, là, j'en ai vraiment une petite goutte. Hop, mais c'était trop collant. Du coup, j'ai dû mettre une crème hydratante au-dessus pour pas que ça colle. Je mets un tout petit peu à veine et je vais mettre ma crème de soir. Donc ma crème de soir, c'est aussi celle d'Aven. J'utilise tout le temps soin de nuit, lissant. Ça sent très bon, ça sent que... T'es fatiguée aussi après, il me regarde avec des petits yeux. Il doit être 22h, je crois, là, il est un peu tard. Je vais me dépêcher de monter cette vidéo, comme ça demain je serai tranquille. J'ai fait ma to-do list pour demain. Il faut que j'aille à Action, il faut que j'aille à Alizélis acheter tout ce qu'il faut pour les biscuits de Noël. Donc j'ai besoin de glaçage et tout. Je dois aussi aller à Carrefour. Je sens que Carrefour, demain ça va être blindax. Mais bon, j'ai pas le choix. Du coup, on va faire quelques petits magasins, genre vite fait demain. Il faudra vraiment que je me dépêche. En fait, je me suis même fait des horaires et tout, hein. C'est un truc de ouf. Donc j'ai envie de me dépêcher un petit peu. Bref, je vais prendre Prince avec moi. Hop là, mon chacha. Allez viens, on fait la fin ensemble, mon cœur. Attention ta queue. Hop, mon amour. Allez, on fait la fin ensemble. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas. Bye bye.